Partir pour mieux revenir. Visiblement, l'expression lui convient. Ici, à Kinshasa, pourtant, Jérôme Onyangi a craint pour sa sécurité. Selon lui, il était menacé par des revendeurs de médicaments liés à des sociétés pharmaceutiques mécontentes de ses recherches. Il y a près d'un an, il s'exilait dans des conditions rocambolesques. Alors, pour son retour, voulu par le président Tshisekedi, le jeune médecin a imposé ses conditions. Je suis face à un président de la République qui respecte ses engagements. Et il m'a promis la sécurité, je suis sécurisé et je suis bien. Je fais mon travail calmement, tranquillement et tout va bien. Jérôme Onyangi peut désormais se consacrer au grand combat de sa vie, les traitements à base d'artémisia, cette plante aux propriétés encore incertaines. Selon ses partisans, elle guérit du paludisme. Jérôme Onyangi pense quant à lui qu'elle pourrait venir aussi à bout du Covid-19. Mais au sein de la communauté scientifique, l'artémisia fait toujours débat. L'OMS refuse de recommander ce remède en l'absence de preuves. L'OMS, ce n'est pas un organe qui fait de la recherche. L'OMS est un organe de régulation. L'histoire de prise de médicaments nous enseigne que l'OMS parfois se trompe sur une décision et les revient sur une autre sur base de résultats scientifiques. D'où notre combat, nous, c'est de porter de preuves, d'apporter plutôt des preuves scientifiques devant l'OMS afin qu'elle prenne des positions. Le pouvoir de l'artémisia. Dans son pays, Jérôme Onyangi n'est pas le seul à y croire. Son protocole de recherche est aujourd'hui retenu par les autorités sanitaires de RDC pour faire partie de la riposte contre le coronavirus. À long terme, c'est une solution qui reste carrément congolaise. Ça reste purement congolaise, que nous pouvons multiplier cela, nous pouvons continuer cela, afin que la RDC, il ne faut pas seulement que la RDC soit juste une nation passive dans la science. La RDC doit être active. Le jeune chercheur ne compte pas s'arrêter là. Après la malaria, le Covid-19, il entend bien élargir le champ de ses recherches sur l'artémisia à d'autres maladies, comme l'hypertension, le diabète ou encore le cancer.